Aujourd'hui, je voudrais vous décrire le profil du narcissique, en sachant que le narcissique, bien sûr, existe sur un spectre assez large, mais qu'il y a, on va dire, des traits communs qui s'appliquent pour ce genre de personnages qui sont beaucoup dans l'ego et qui, de par leur comportement, attirent des personnes qui, elles, sont plus dans l'empathie. Donc le narcissique en général, il ne s'aime pas et il souffre de la blessure d'humiliation. Donc il va chercher l'attention et la valorisation à l'extérieur. Donc le regard de l'autre pour lui est très important. Il donne en général une image de lui qui n'est souvent pas celle qui se passe en huis clos. Et il met une façade pour pouvoir s'attirer l'approbation et la validation des autres en général. Il faut savoir aussi que le narcissique n'est pas abusif avec tout le monde. Ça serait trop facile, on comprendrait tout de suite qu'il n'est pas quelqu'un avec de bonnes intentions. En général, il est abusif avec une victime en particulier. Et lorsqu'il n'a plus cette victime, il passe à une autre victime. Donc, il ne se remet pas en question, il change simplement de victime. Il faut aussi dire que le narcissique ne se remet pas en question et ce n'est jamais sa faute. Donc il va toujours rejeter la responsabilité sur l'autre et savoir aussi que le narcissique ne va pas changer. Donc de manière générale, il manque d'empathie et c'est quelqu'un d'égocentrique qui pense d'abord à ses besoins avant de penser aux besoins des autres. Donc en général, toutes ses actions sont orientées autour de lui. C'est quelqu'un qui est vide à l'intérieur, donc il va essayer de chercher à se remplir de belles choses, de lumière et attire souvent du coup des personnes qui sont dans l'empathie, dans l'hypersensibilité. C'est quelqu'un qui, au début de la relation, va pratiquer ce qu'on appelle le love bombing, donc qui va vous glorifier, il va vous séduire, il va mettre tous les efforts nécessaires pour pouvoir s'attirer vos faveurs, vous flatter, vous faire des compliments, vous sortir, vous acheter plein de choses, vous envoyer des fleurs, vous envoyer des mots doux. Voilà, ce genre de choses pour mieux vous faire manger dans sa main. C'est quelqu'un qui est énormément dans le contrôle, donc il va contrôler votre vie, hein, que ce soit vos sorties, vos fréquentations, votre façon de vous habiller, les finances, éventuellement vous couper les vivres entre guillemets, et tout est conditionnel avec lui. Il va vous critiquer, c'est quelqu'un qui est très exigeant, donc il demande la perfection et rien de moins. Il crée beaucoup de confusion aussi sur les attentes qu'il a envers vous. Donc, ces attentes vont changer d'un jour à l'autre. Du coup, ça va complètement vous déstabiliser et créer cet état de codépendance. C'est quelqu'un qui manipule, bien évidemment, qui tient un petit peu l'autre en laisse, que ce soit avec l'argent ou avec le pouvoir, avec toutes sortes de biens ou dans le travail, avec différentes méthodes, différentes mesures pour mieux vous appâter. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge et dans la tricherie. Il y a absolument zéro authenticité. Okay? Il a un masque en permanence. Il pratique beaucoup la culpabilisation de sa victime et le chantage émotionnel pour mieux atteindre ses objectifs. Il est beaucoup aussi dans l'humiliation de l'autre, puisque la culpabilité va de main avec l'humiliation, pardon. Donc, il va toujours chercher à humilier la victime pour que la victime passe son temps en fait à s'excuser. Ça, c'est un trait, une particularité des personnes qui ont été victimes des narcissiques à passer leur temps à s'excuser en permanence et à se justifier, à expliquer en permanence. Il va chercher à vous isoler de votre famille, de votre entourage, de vos collègues, des autres, pour pas qu'il y ait de témoins et pour mieux vous tenir en laisse. C'est quelqu'un qui va créer également de la codépendance, hein, faire les choses à votre place pour vous rendre dépendant de lui et pour mieux vous domestiquer. Quelqu'un qui pratique le gaslighting, il ne tient pas en compte vos besoins, il va nier, déformer votre réalité pour vous faire douter de la réalité. Il va vous dévaloriser, il va faire fi de vos besoins, de vos envies, vous accuser d'être trop sensible, d'être dramatique, d'exagérer. Il va jouer la victime, bien évidemment, c'est évident. Il va refuser de communiquer, pratiquer ce qu'on appelle le stonewalling, donc l'indifférence, ou même ce qu'on appelle le silence treatment, être dans le silence en permanence, refuser de communiquer avec vous. Il va vous punir en vous privant d'affection, d'attention, de biens matériels, d'intimité physique. Il va
faire totalement preuve de non-responsabilité par rapport à ses erreurs, par rapport à ses actions, et toujours pointer le doigt vers l'autre. Ne jamais reconnaître quelque faute que ce soit. Il ne va pas faire preuve, bien sûr, de soutien par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, vos hobbies, ce que vous aimez faire de manière générale. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans la colère. Donc, on a le sentiment de marcher un petit peu sur des coquilles d'œufs autour de lui ou sur un terrain miné. Donc, du coup, le système nerveux en pâtit énormément pour la victime. Quelqu'un qui, lorsque vous le démasquez, lorsque vous le défroquez, va vous rejeter en bloc et va faire en sorte que vous soyez l'ennemi numéro un. Et son objectif, ça va être de vous détruire par tous les moyens. Voilà, donc je ne souhaite jamais, même à mon pire ennemi, d'être exposé à un narcissique, d'être sous le joug d'un narcissique. En général, les personnes qui vont attirer les narcissiques, ce sera des personnes qui, elles, sont pleines d'empathie, d'amour, d'attention, qui ont beaucoup à donner puisque le narcissique, lui, n'a rien à donner. Ça remonte bien sûr à un trauma bond, un lien avec l'enfance qui n'est pas résolu, qui n'est pas réglé. Alors, ce genre de comportement, bien sûr, ne s'excuse pas. Il peut se justifier de par l'enfance difficile qu'il a pu avoir. Mais à un moment donné, on est tous adultes et on a tous le choix et la responsabilité de se prendre en main. Parce que non seulement les narcissiques sont très malheureux, mais ils rendent les gens autour d'eux également très, très malheureux. Ce sont des gens qui nourrissent, entretiennent des relations toxiques avec tout le monde autour d'eux et en particulier avec leurs victimes. Voilà. Pour ce qui est de la victime, on en reparlera dans une autre vidéo. La victime, en général, est détruite après cette relation. C'est un long travail de réparation, de guérison. Elle perd confiance en elle, estime pour elle. Ses blessures, les cinq blessures, sont réactivées et ça peut entraîner de gros traumas qui peuvent mettre des mois, des années, voire toute une vie pour s'en remettre. Voilà. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à commenter, de manière à pouvoir mieux orienter les prochaines thématiques.